Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve sur Happy Room pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Vous avez été très nombreux à aimer la première vidéo qu'on avait faite sur Happy Room. Et du coup je suis très content de pouvoir recommencer parce que c'est un jeu fun. Genre, pour ceux qui ne se rappellent pas du tout du principe du jeu, en gros, on a un personnage qui est là et le but c'est de lui faire infliger les pires tortures, de le défoncer, de le broyer. Et en gros, la technique, si vous voulez que ce jeu soit super fun pour vous, vous mettez à la tête de quelqu'un que vous aimez pas, qui que ce soit, n'importe qui, même Trump, et après, vous vous dites que cette personne-là est la personne que vous n'aimez pas, et après, je la défonce. BAM. Pfff. Ok, alors, la dernière fois... Oh, il a pris cher, là. La dernière fois, on avait réussi à avoir plein de hauts faits, et du coup, je dis, on va retester d'avoir beaucoup de hauts faits, enfin, on va pas essayer de terminer le jeu, mais on va essayer de continuer à trouver des nouveaux instruments de torture pour améliorer Happy Room. Il prend très cher. Ah, oh, c'est horrible. On est parti. Wow, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça va faire super mal. Imaginez, vous faites ça tous les matins. À la fin de la journée, vous êtes mort. Il s'est fait raser le bras. Wow, wow, il fait quoi là? Yeah. D'ailleurs, il y a un au fait qui me dit il faut se faire piquer 5 fois. Donc, on va essayer de le faire. Ok. Donc, on a terminé. C'était la présentation du jeu. Donc, je vais virer un peu tout. Et du coup, il y a un truc qui dit se faire piquer 5 fois par les pics. Alors, du coup, on va le faire. On va mettre des ressorts. C'est rapide. On va en mettre 3 là. Lui c'est le numéro 2. On va l'appeler Bill. 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 T'es mort. Comme dans Boule et Bill. Je sais pas si... Ok. Là, il prend cher. Il va pas bien. C'est pas la pire torture. Enfin, ça doit quand même faire mal. Mais c'est juste pour gagner le haut fait au-dessus. Oh, là, il prend cher. Il prend cher. Encore 2. Encore, bah 2 du coup, parce que là il s'est fait 2 fois d'un coup, c'est nul. Ok. Oh non. Il nous en manquait plein. On va rajouter des arbalètes parce qu'apparemment, là je lis 5 atteintes à l'aide d'une arbalète sur les piquants. Donc je pense qu'on doit rajouter des arbalètes. Donc on va en mettre une là, une là, une là, une là. En fait, on peut en mettre autant qu'on veut, on a beaucoup d'argent là pour l'instant. Donc on va en mettre comme ça. Et on va rajouter des pics et des trampolines. Go. Et on va même l'augmenter en x2. Boum. Yeah. Ok, là il prend cher. Oh, il en a pris plein. Là il prend très cher. Là on va gagner le haut fait normalement. 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 Non, on gagnera pas le haut fait. Ouh, il a pris cher. Apparemment, non, apparemment il faut mettre plus d'arbalètes. Donc on va enlever ça et on va rajouter des arbalètes. On va en mettre une là. Go. En x2. Yes. Oh, il prend cher, il prend cher. Oh, oh, oh. Attends, on va gagner. Peut-être qu'on va gagner un haut fait là. Oh, oui. Oui, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, continue, continue, encore un peu. Yes, ok, on continue, on continue, on continue. C'est pas mal. C'était pas mal, ok. Vous savez quoi? On va faire un truc, on va mettre que des arbalètes partout. Comme ça, il prendra énormément de dégâts, vous allez voir. On va en mettre partout. Tac. Une ici, une ici. Là, vous allez voir, il va prendre très cher. Là, il va prendre beaucoup plus cher que la définition du mot cher. On est parti, go. Oh, ils l'ont tous raté. Yeah. Destruction. Yes. Là il prend très très cher. Oh, il revient, il repart, il se prend. Ah, il se prend beaucoup de choses là. Apparemment c'est bon, il a pris beaucoup de dégâts. Bah c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais je sais pas si ça pourrait mieux fonctionner maintenant. Ok, donc ouh, yes, on a réussi. Yes. Yes. Du coup là je pense qu'on a gagné des choses. J'avais pas compris comment il fallait faire, mais là apparemment on a réussi. Là il prend très cher. Ouh, il va mal. On va le mettre en x2 un peu. Attends, oh non, en x0,5. Ok, donc là on a réussi au fait, du coup je pense qu'on a gagné des nouvelles choses, non? On n'a rien gagné. Mitrailleuse, téléportation, on peut pas le faire. Ça c'est des choses qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore ce qu'il faut pour faire ça. Ce n'est pas un fusil à plomb. Consommer 5 cartouches de fusil à plomb. Mais on n'a pas tout ça. Alors est-ce qu'on peut améliorer notre... Est-ce qu'on peut améliorer nos trucs? Parce que je sais qu'il y a un moyen d'améliorer. Oh, alors on peut améliorer les armes à feu, les explosifs. Ah, comme ça. Donc on peut améliorer les arbalètes. Yes, ok. On va améliorer les piquants, les scies. On a plein de choses à améliorer. Et on va améliorer les ressorts. Parce que je me sers souvent des ressorts. Et du coup, j'ai envie de les améliorer. Là, on va faire un truc que tout le monde s'en souviendra. Un truc parfait qui va faire beaucoup de dégâts. Et qui va se faire souffrir le personnage qui est là. Le 7, tu vois, 7 c'est pas un bon chiffre. Enfin, c'est mon chiffre préféré. Mais vous allez voir que là, on va le faire souffrir. Le numéro 7, il va regretter d'être venu. Il va regretter d'être venu au monde. On va lui faire tellement de dégâts qu'il va regretter d'être né et que sa mère l'ait fait après avoir mangé des baguettes. Je sais pas ce que je raconte. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va mettre des scies en plus
Parfait. Est-ce que ici on voit, on pourrait pas les décaler de place? Parfait. Là, il va prendre beaucoup de dégâts. On va même rajouter une petite mine ici parce qu'il y a de la place. Go! Boum! Bim! Là, il est bien. Là, il prend beaucoup de dégâts. Mais c'est pas ce qu'on va gagner si on, si ça fait assez de dégâts. Mais en tout cas, là, il est cher. Là, il prend cher. Attends, est-ce que si on le met en 0,5, c'est fun? Wow! Yes, ok. Attends, là, il va se prendre la mine. Il a vu que je fais un grand écart. Là, il repart. Le 7, c'est un gymnaste. Boum! Headshot. Là, c'est vraiment un gymnaste. Je sais pas ce qu'il fait. Boum! Oh, là, il prend cher, mais du coup, il a plus les harpons. C'est énervant. Allez, il va continuer à sauter. Oh, là il va pas bien. Oh, c'est moi où la mine a explosé? Ah, ok. Alors maintenant, quand, comment dire, quand quand les ressorts terminent leur utilisation, maintenant ils explosent. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe si on met uniquement des harpons au sol? Là, ça va être drôle. On va même les mettre au plafond. Parfait. C'est très bizarre ce que j'ai fait, mais go. Wow, j'ai eu un super, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire beaucoup de dégâts. Wow, les harpons font énormément de dégâts. J'ai débloqué une nouvelle arme, le téléporte, le fusil, la mitrailleuse. Oh, trop bien. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a marché, j'ai débloqué énormément de choses. J'ai même débloqué le bloc B5. Merci les harpons, vous m'avez beaucoup aidé. Oh, donc on va nettoyer tout ça. C'est quoi alors le fusil à pompe? La téléportation. Ah, c'est comme dans Portal. Génial. On va en mettre une téléportation ici. Et là, ça fait quoi? Trop bien, attendez. Bah du coup là, il va faire les 10 téléportations, regardez. Ouais. Yeah. C'est quoi le bloc B5? Ça fait quoi? Ah, c'est juste un bloc, ça peut le... Ça le bloque, ok. Un bloc qui bloque, ça paraît logique. C'est le fusil à pompe. On va mettre le fusil à pompe et là, on va mettre la mitrailleuse. Qui est le plus fort? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que la mitrailleuse est cool. Aucun? Pourquoi les deux? Pourquoi les... Ils font aucun dégât les deux? Faut les mettre au plafond? Non, on peut pas? Bah... Peut-être qu'il faut qu'ils soient très proches d'eux. Du coup, on va mettre des ressorts, attendez. On va mettre un ressort qui part par là. Et du coup, quand il va tomber, il va voir les... le harpon et la mitrailleuse. Parfait. Go! Boum! Bim, ok. Wouhou! Oh, ils sont cool! Oh, c'est cool! Attendez, faut en mettre plus. J'ai envie de tester avec uniquement... Donc, on va voir si ça peut... refaire quelque chose de bien. On est parti, go! Boom! Destruction! On taille les mitrailleuses, vous pouvez y arriver. Allez, oui, faites des dégâts, vous êtes presque. Allez, go, 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 on continue. Qui... Fuck! Pourquoi elle continue jamais quand je leur demande? Ok, là, il y a un truc. 15 secondes de vol avec une mitrailleuse, ici, et c'est... What? Et ça lui permettra de voler, vous allez voir. On va mettre des mitrailleuses là, voilà, partout. Après, il faudra qu'on les mette au plafond. Je pense que si on les améliore, après, on pourra les mettre au plafond. Donc, on est parti. Go! Boum! Destruction! Oh, ça marche un peu. Mais pas complètement. Là, ça marche plus. Yes! Allez, on recommence. Allez. Non, toujours pas. Là, on a un effet qui s'appelle appliquer 2000 points de damage. Donc, normalement, on devrait pouvoir le faire. On va essayer de le faire. On va réussir. Je vous jure. Croyez en moi, les abonnés. On va réussir. Donc, on va mettre des trucs pour les damage. On va mettre des harpons juste là. Oh! J'ai une petite idée. On va mettre des harpons. Et ensuite, on va mettre sur le côté des mitrailleuses. Comme ça. Est-ce que là, ça marche? Go. Boum. Destruction. Destruction. Prends cher. Là, il prend des dégâts. Là, il est bien. Regardez, là, son sang est en train de couler sur mon écran. Pourquoi vous tirez plus? On va faire des inversements au niveau des ressorts. Comme ça, quand il va tomber, il va aller de tous les côtés. Il va faire plein de choses. Et là, on l'attaquera, vous allez voir. Et là, du coup, on va mettre des mitrailleuses. On va mettre des mitrailleuses partout. On va mettre là. Là. Et on va en mettre une au milieu grâce au carré, vous allez voir, grâce au bloc. On va en mettre une juste là, voire deux. Attendez, peut-être que j'ai une idée, attendez. On va en mettre deux. On va prendre le bloc, ici. On va le poser parfaitement. Et là, ensuite, on va mettre du coup des mitrailleuses des deux côtés. Yeah! Là, c'est glorieux. Là, vous allez voir, on va faire tellement de dégâts. On a encore un peu d'argent. On va mettre un fusil à pompe juste là. Parfait. Ok. On est parti. Go! Boom! Yes, ça marche! Ça marche! Ça marchait. Ça marche à peu près. Là, il prend beaucoup de dégâts. Yo! Là, il en prend beaucoup dans la tête. Ok. C'est fini? On était presque! Presque à faire 1000 de damage et à 2000 de damage. On était vraiment très proche des deux. Je sais vraiment pas comment on pourrait faire pour lui faire plus de dégâts. Je vais mettre des arbalètes, mais on sait jamais. Go! Destruction! Yes, continue! Yes, oui!
Oh oui, je sens les dégâts là, je sens. Oui, continue, continue. Fais des dégâts, fais des dégâts. Parfait. On va dans la jambe, dans la tête. N'hésitez pas. Faites comme si c'était quelqu'un de méchant. Tuez-le. Yeah! Pourquoi vous n'arrivez pas à le tuer parfaitement? Pourquoi à chaque fois j'oublie de tout recommencer? J'aime bien mon setup. Le milieu est pas mal, mais les murs, j'aime pas. Donc on va enlever les murs et on va. J'ai tout enlevé. On va mettre quelques bombes, on sait jamais. Parce que imaginons qu'il se coince dans le corner, il faudra qu'il ait des bombes et que ça le décoince et que ça le fasse exploser et qu'il fasse pfff. Donc là c'est pas trop mal. Dans le doute, on va mettre des lames. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre des lames. On va mettre une là. Et on va terminer avec des pics en haut. Parfait. Donc t'as par contre juste envie de changer de sens. Parfait, go. Là on a un. Oh, là ils volent très haut. Ils volent haut. Ils continuent à voler. Vers le ciel, vers le. Waouh, il est passé dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, dans le téléporteur. Yeah! Destruction! Là, il se plante tout dans les jambes. Il s'est fait percer les couilles. Ça doit faire vraiment super mal. Wouh! Il est repassé dans le téléporteur. Et là, il revient. Là, il est chaud. Hop, il prend énormément de dégâts. Et en plus, vu qu'on a amélioré, voilà, les ressorts, ça lui fait une explosion en plus. Là, les bombes, elles servent énormément. Parce qu'elles permettent de lui faire plus de dégâts. Ok, parfait. Wow! Yeah! Yes! On a gagné un truc. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut pas gagner deux trucs? Apparemment non. On va enlever tout ça et on va mettre des fusils à pompe. Peut-être que c'est mieux, je sais pas. On va mettre là des fusils à pompe. Parfait. Hop, c'est reparti, allez go. Et là on va le mettre en x2. Et là il va faire des tours. Wouhou yeah. Oh, il a fait plein de trucs, il s'est passé plein de choses, j'ai pas pu voir parce que ça va trop vite. J'ai gagné un au fait. Est-ce que je vais gagner deux au fait, je sais pas. Oh, il allait être coincé dans le téléporteur. Genre sa tête elle va là et, son corps sort de l'autre côté du téléporteur. Yeah. On va mettre un ressort, tac, comme ça. Puis après elle va l'emmener dans le portail. Et ça va le faire ressortir par là. Et là on va lui remonter dans le portail comme ça. Je crois que ça pourrait être bien. Est-ce que ça fonctionne là comme ça? Non, c'est raté. Faut mettre le portail plus haut. Faut vraiment bien viser. Vise. Yes, ok. Ça fonctionne. Et là ça le renvoie pas dans le portail. Et maintenant quelques arbalètes pour faire passer un peu le thé. Je sais pas ce que je raconte. Faudrait qu'on mette plus de ressorts. Faudrait que j'enlève des arbalètes et que je mette plus de ressorts pour qu'il puisse sauter en l'air et faire beaucoup de dégâts. Prends la tête de la personne que tu détestes le plus au monde et là elle va souffrir. Là, mets-la à la place de cette tête-là, de cet être innocent qu'on va tuer aujourd'hui. On est parti, go! Wouhou! Wow! Yes, là il prend beaucoup de dégâts. Là il va pas bien. Là il vole! On dirait Spider-Man. Mais là il vole très haut. Là il prend des dégâts. Là on est vraiment en train de l'enchaîner. Les scies. C'est trop cool! Oh, il vole! Ça a pas tenu 15 secondes, mais c'est pas grave parce que là, il prend vraiment beaucoup de dégâts. Là, il repart avec la scie. Il est pas encore. Je crois qu'il est pas encore allé dans le téléporteur. Là, regardez sa main! Sa main, on voit son squelette. On voit ses os. What? Il est en train de se faire tirer dessus partout. Allez, vas-y, vas-y! Continue dans le téléporteur! Tu peux y arriver! Oh, on a gagné une nouvelle arme, la masse d'armes. C'est quoi la masse d'armes? Wouh! Ok, on va la mettre là. Ça le fait tenir en l'air. Ah mais attends, du coup j'ai une idée, est-ce que si on fait ça et qu'après on rajoute des scies, il se passe quoi? Hey, tiens. Et après il tombe par terre. Là je me permets de faire des folies, là, je sais pas ce que je fais. Je me fais emporter par des pulsions là. C'est pas bon. Ok, donc là j'ai vraiment essayé de faire l'instrument de torture le plus dur du monde. En fait je sais pas, j'ai mis un peu tout n'importe comment. Donc on est parti. Go. Ok. Donc, là, je viens de faire l'instrument de torture qui, je pense, sera ultra brutal. Je sais pas trop comment j'ai fait. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai mis un mélange de tout ce qu'on avait eu jusque-là. Donc, on est parti. Go! En x2. Yo, il prend beaucoup de dégâts, il prend beaucoup de dégâts. Yo! Oh, on est en train... Oh, allez, au fait. On va les gagner, hein. On fait beaucoup de dégâts. On a déjà un au fait. Deux au fait. Est-ce qu'on va en avoir plus que ça? Non, je pense pas. Parce que là... Oh... Là, il a eu mal. Là, il a encore eu mal. Ok, là, il va pas bien. Oh, il est même pas passé par le... Par les téléporteurs, je suis déçu. Ok, donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur Happy Room. Je me suis encore super amusé à la faire, j'espère que vous avez aimé la regarder. Si vous voulez voir plus de vidéos sur Happy Room, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. A plus, mon cher Ayton, et ciao.